appartement, ben, tout est récapitulé. Madame, bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes filmé, c'est ça? Non, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, hé, non, après, bon, je pense que j'ai l'air quand on regarde les jeux. À l'échelle de la France, ça représente vraiment un symbole et une tradition française d'aller à la boulangerie le matin, de prendre du pain pour manger au petit-déj, le midi, le soir, à toutes les occasions. Et on résiste pas à une bonne baguette bien chaude. C'est vraiment le plus français. Je suis franco-suédoise, donc tous mes amis suédois parlent toujours de la baguette. Si je connais rien en français, ils disent « je suis une baguette ». C'est le plus, je sais pas, tous les Suédois le disent, donc c'est un peu drôle. Là, je suis en train de faire mon petit coup de lame sur la tradition. Ça s'appelle la grigne ou la signature du boulanger. Chaque coup de lame en fonction des boulangers est vraiment très différente. C'est un produit de base qui touche toutes les catégories socioculturelles. Je veux dire que qu'on soit riche, pauvre, peu importe, tout le monde mange de la baguette. Donc ça rassemble tout le monde en fait, on partage le pain, c'est la vie. J'en attends justement une reconnaissance internationale qui va permettre à des boulangers de s'installer à l'étranger pour représenter ce savoir-faire français. Et également, pour les touristes qui viendront ici, ils auront la chance de goûter justement ce savoir-faire reconnu au patrimoine mondial.